sur un texte de Philippe Artière, place à la France. Enfants furieux, soldats déserteurs, savetiers enragés, moines vagabonds, marchands, querelleurs, ivrognes invétérés. Tout scandaleux ou pitoyable, aucun doué d'une grandeur de naissance, de fortune, de sainteté, d'héroïsme, de génie ou de puissance. Sa folie, se cacher de sa famille, mener à la campagne une vie obscure, promener son esprit dans des routes inconnues, se croire capable des plus grands exploits, un monstre de libertinage et d'impiété, fripant, indocile, impétueux, violent, capable d'attenter à la vie de son propre père, toujours avec des femmes de la dernière prostitution. Apparition dans l'histoire des gueux, des médiocres, des petites gens, naissance d'un nouvel art du langage, la fable des sangs, mettre en mots ce qui est le plus interdit, le plus caché, devoir de dire le plus nocturne et le plus commun des secrets. Littérature de l'indécision entre vrai et faux, écrit. Transcuir intergenre, offenseur de la reine nature, black bloc sadiste, punk à chien, véritable danger pour l'ordre public. Ouh, la France ce soir, elle attaque ce soir la France.